J'ai eu la chance d'être parmi les premiers bénéficiaires d'AGR. Et nous qui avons reçu l'AGR en première position, et ce moment n'a vraiment pas été facile. Mais malgré tout, on a travaillé et on a pu rembourser quand même. Le jour où je recevais mon AGR, j'étais heureux. Et on nous a dit, la joie qu'on avait ce jour, de faire un effort pour que quelqu'un d'autre soit en joie demain. En faisant quoi? En travaillant et remboursant le prêt que nous avons eu. Et voilà, par la grâce de Dieu, toi qui es dans cette salle, qui bénéficie aujourd'hui, tu reçois cette joie. Merci madame d'avoir pensé à nos enfants, nos frères et sœurs qui vont reprendre les soins. Nous voudrions particulièrement dire merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour le soutien continu depuis 2015. Il faut donner à notre pays toutes les chances de retrouver ses valeurs du vivre ensemble. Il faut pardonner. Nous devons savoir refermer cette parenthèse pour offrir des horizons meilleurs à notre pays, à notre jeunesse, à nos enfants. Chères victimes, je vous exhorte donc au pardon, car c'est seulement le pardon qui peut nous redonner la force de regarder le présent et l'avenir avec espoir et nous offrir des perspectives pour une nation encore plus fraternelle, unie et solidaire.